après tout, le monde sera sauvé par des minorités. Les majorités bêlent, hein. Les majorités meuglent ou hurlent. C'est très bien qu'on soit entre nous, parce qu'il y a de l'amour ici. Il y a de la poésie, il y a de la simplicité, et ça vaut tout. Voilà, je voulais vous dire ça, et merci André, parce qu'il a sur les épaules toute l'organisation, je serais incapable, parce qu'il est malheureux souvent, il ne vient pas. Alors voilà, je voudrais vous dire deux choses. S'il y a encore des poètes, et s'ils sont quand même entendus, c'est parce qu'ils résistent au langage de mort des médias et de la mondialisation de la pauvreté. C'est parce qu'ils ne veulent plus de murs, ni en Israël, ni au Mexique. C'est parce qu'ils aiment les mots, tous les mots, pour la grande révolution amoureuse, si chère à André Breton et à André Chenet. Il est terrible. J'ai une filiation. N'ayez pas peur, hein. Vous pouvez partir si vous avez peur. Mais j'ai pas fait peur. Alors ce poème s'appelle Des mots pour l'an 01. On m'aurait, c'est qu'on recommence tout. J'aurai l'amour des mots, toujours comme au premier jour. J'aurai l'amour d'aimer, et je prendrai le temps d'un sein nu sous une chemise. Le temps d'aimer les roses sauvages, l'abeille et le rossignol dans la haie. Le temps d'aimer le chemin des immortels, et surtout, le temps d'aimer les mots, parce que la poésie commence là où le dernier mot n'appartient pas à la mort. Bravo. Inutile d'applaudir. Je trouverai des mots qui sauvent, des mots de fiançailles et de coquelicots, des mots de pain, pour rompre toutes les solitudes, des mots pour peindre des prairies lumineuses sur les murs de la nuit, des mots pour enlever ses chaînes à Toussaint l'ouverture, pour qu'on n'oublie jamais les assassins de Giordano Bruno, de Michel Servet, de Tupac Amaru et des cathares de Montségur. Des mots sans Dieu, des mots sans maître, des mots qui déclouent toutes les mains. Je trouverai des mots pour marcher sur la mer, pour aller jusqu'au phare avec Virginia Woolf. Des mots qui changent le monde et qui changeront le monde changé. Des mots pour dire et pour crier avec Mahmoud Darwish qu'il n'y a pas de terre promise. Jamais, comme Vladimir, je lancerai pour vous des mots toxins, des mots d'Ossip Mandelstam, qu'aucun goulag n'a pu faire taire. Je trouverai des mots d'insurrection, de marée toujours haute, des mots de vigne, de blé, d'arbres millénaires. J'irai dans le matin des cerises avec un drapeau rouge et noir pour ne pas oublier de monter. Venez, je vous donne les mots pour passer tous les ponts, toutes les frontières, tous les murs, des mots pour boire au puits de la Samaritaine et pour prendre le seau de Cosette. Des mots pour résister à toutes les prisons, comme Marie Durand, 17 ans, à la tour de Constance, parce qu'elle était protestante. Elle avait écrit avec une épingle à cheveux sur une pierre, résister. Si vous y allez, n'ayez pas peur, c'est un CCDI. Parce que c'est dans l'Angloc. J'aurai les mots pour courir dans le matin féminin des béatitudes. Puisque la mort n'est qu'un mot,
J'aimerai jusqu'à la mort. Les mots de passe, les mots inespérés, les mots des amants, les mots de tous les mondes, de toutes les couleurs, les mots de violoncelles insensés, les mots de prairie pure, de saison neuve, les mots de ventre doux au cœur humain du temps. Et je n'oublierai pas les mots des corps désirants, solaires, les mots des roses de sable, les mots des fusillés avant de tomber, les derniers mots de Death Note à Theresienstadt. Et je prendrai le temps de démentir les inquisitions, les messes, les papas mobiles, les catéchismes, les échafauds, les voleurs de la splendeur naturelle et les tueurs de biches. Pour travailler à la fin du vieux monde, il nous faut des mots incendiaires, des symphonies fantastiques, des mots matinaux comme un sein nu sous une chemise, des mots qui trichent avec le compte à rebord, des mots camisards, des mots apaches, des mots maquisards, des mots dont on ne revient pas, des mots qui marchent entre les lignes, impossibles à coucher, des mots écrits à contre-ciel par des citoyens de beauté qui inventent des pétales. Nous apprendrons l'alphabet du feu et nous vivrons la poésie, peau contre peau. Voilà des mots pour l'an zéro. Il viendra! C'est sûr, n'ayez pas peur de vous brûler et que le poème soit votre âme absolue. Nous pouvons faire un autre monde comme Nazim Hikmet qui faisait des boules de soleil avec le pain noir de sa cellule, comme Yanis Ritsos qui jouait du Théodorakis sur les barreaux de sa prison, comme Jean Sénac, comme Tard Jalout, comme Lounès Matoub, écorgé en Algérie, et d'autres. Connus et inconnus, et surtout, surtout, parlez, criez, insurgez-vous, ne vous adaptez jamais, gardez vos blessures, car lorsque le cœur parle, toute la terre écoute.